lors de ses premiers mots pour son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé, 25 ans, a pris soin de joindre une photo de lui en compagnie de la légende du Real Madrid, lorsqu'il était encore enfant, Cristiano Ronaldo. Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridista, et merci pour votre incroyable soutien. A écrit le joueur français sur ses réseaux sociaux. Sous l'annonce de son arrivée au Real Madrid ce lundi, club avec lequel il s'est engagé jusqu'en 2029, Cristiano Ronaldo, 39 ans, son idole de jeunesse, lui a laissé un joli commentaire. « C'est à mon tour de te regarder. Hâte de te voir illuminer le Santiago Bernabéu, à la Madrid », a commenté l'actuel buteur d'Al Nassr. Kylian Mbappé va évidemment apprécier. Après de longues années d'attente et de bras de fer interminables, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. L'international français a paraphé un contrat de 5 saisons au juste chiffre. Cette fois-ci, le mariage aura bel et bien lieu. Plus aucun rebondissement n'est possible dans ce dossier. Kylian Mbappé quitte officiellement le Paris Saint-Germain, la France et la Ligue 1 après 7 saisons passées sous le maillot du club de la capitale. Il rejoint ainsi le Real Madrid en y paraphant un contrat de 5 années. Quelques jours après un 15e succès en Ligue des Champions, le club madrilène a annoncé la bonne nouvelle, dans un communiqué officiel publié sur son site et partagé sur ses réseaux sociaux. Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. Au-delà de la promesse sportive explosive aux côtés d'autres stars comme Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham entre autres, le capitaine de l'équipe de France peut compter sur un accord bien ficelé avec Florentino Pérez pour que ce rêve soit possible. Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridista, et merci pour votre incroyable soutien. À la Madrid, a rapidement réagi le principal intéressé, tandis que plusieurs joueurs et légendes du Real Madrid ont emboîté le pas en envoyant de multiples messages d'encouragement et de bienvenue. Une nouvelle ère historique s'ouvre à la Casablanca pour les 5 prochaines saisons, puisque l'international français a signé un bail s'écoulant jusqu'en 2029. Soit 5 années avec des objectifs toujours plus hauts. Le tout accompagné d'un salaire juteux et de primes dorées. C'est une superstar qui débarquait à Madrid ce lundi 3 juin 2024. Le premier élément important, Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de l'équipe officiellement pour les 5 prochaines saisons. En attendant que soit dépassé le chiffre définitif, son salaire a été fixé autour de 15 millions d'euros nets, soit environ 20 millions bruts en Espagne. Un chiffre bien inférieur à ce qu'il percevait au Paris Saint-Germain, où le Bondinois disposait d'un salaire annuel aux alentours de 72 millions bruts. Avec ce pécule, il surpassera Vinicius et Bellingham sur l'échelle salariale. Le Brésilien reçoit un montant d'environ 12 millions d'euros nets. Le Britannique approche les 11 millions d'euros. S'en suivent ensuite Alaba, environ 12,5 millions d'euros, Kroos, 13 millions d'euros, et Modric, 11,5 millions d'euros, dont le total a été considérablement réduit lors de son renouvellement pour cette saison. Des chiffres relayés par Marca et AS. Le tremblement de terre Kylian Mbappé secoue déjà la ville de Madrid. Mais ce salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid cache plusieurs annexes. D'un côté, le droit à l'image. L'accord stipule que le joueur pourra conserver 100% des contrats signés avant la signature à la Casablanca et, dans ceux qui seront clôturés après, 20% reviendront au club. Combien gagnera-t-il chaque année grâce à la publicité? C'est une valeur encore inconnue, mais en prenant comme référence ces dernières années, le chiffre tournerait autour de 30 millions d'euros nets chaque saison. Ce montant s'ajoutera aux 15 millions de salaire et à sa prime à la signature fixée à 100 millions d'euros. Il faut aussi y ajouter les nombreux bonus activables sur condition, incluant les buts marqués à la victoire au Ballon d'Or. Comme l'écrit le journal espagnol AS, un nouveau joueur arrive à Santiago Bernabéu et devient le mieux payé de toute l'équipe. Un nouveau Galactico pour la galaxie.